Zami, mais comment nous? J'espère que nous sommes tout en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. À chaque fois que j'ai une possibilité pour moi ensemble avec nous, on toujours aimé saluer nous et remercier nous du fait que nous toujours été connectés avec Chanel Panou, qui c'est Chanel 1500 ans. Et je dis à la matin, qui lit déjà nous l'heure là, il va le finir n'importe 10h ou 11h là. Dans les que je vais le faire pour ça pour me partager ensemble avec nous. Je vais parler de football. Mais directement, on va parler de sélection nationale pays d'Haïti, hein, qui de jour en jour, bagaille va venir plus compliqué pour sélection nationale pays d'Haïti. Il y a quatre nouveaux joueurs qui vraiment attrapé de maladies. Hein. Nous allons parler de ça. Mais avant que nous parlions de ça, nous allons parler tout de deux informations après première phase Gold Cup 1 qui déjà fini jouer. Nous parlons tout de la deuxième journée Gold Cup 1. Nous parlons de ça. Et nous parlons de tout résultat qui fait dans ça et qui s'accroît gain puis tout. Mais avant que nous allions, nous saluer tous les amis qui toujours été connectés à Chanel, qui toujours fait possible, tout ça possible, qui a toujours gardé vidéo nous, toujours bah, nous en 5 minutes regarder et partager avec les amis. Eh bien, nous disons merci, aidez-nous à partager, aidez-nous à grandir Chanel, ça parce que rôle nous, c'est bah ou information, chercher le côté lié pour tel bah ou faire tout sacrifice pour nous porter le bah ou. Nous parler directement pour nous parler de Gold Cup là avant que nous parlions de cap traversée sélection. Hein. On dit que Gold Cup là lui-même qui a démarré avant que nous gagnions Gold Cup ça là. En pile parcours pour faire un Gold Cup là pour entrer dans Gold Cup là. Gagner une équipe qui est invitée dans Gold Cup ça, qui c'est Qatar, côté hier, Qatar qui a joué face avec l'équipe Panama, équipe qatarienne, côté que y avait formation face à Panama, 3 buts au Porto, un match football qui était riche en rebondissement, tellement que monsieur Yote a gagné envie pour faire goal, et bien match football ça a fini son score de 3 buts Porto. Comme ça tout, et hier, t'as eu l'autre match qui t'a pas clôturé jeune ça, c'était Honduras qui t'a joué contre équipe Grenadine, côté Libat, équipe Grenadine, en question de 4 goals à 0, c'est pas vraiment, mais ça fait que côté qui bat 4-0. Si nous prenons ensemble match qui jouait déjà dans la première journée, pour nous dire que la première journée qui a commencé, c'était Mexique qui a démarré la compétition, hein. Nous, on connaît que, une équipe qui a quitté abandonné la compétition, hein, équipe qui était remplacé là, c'est Guatemala. Eh bien, côté que Mexique qui était démarré la compétition, ça, et dans samedi, c'était à 10h que tu as commencé. Côté que match pour ça, t'es soldé sur un score de 0 but partout. Équipe Canada qui était joué contre équipe qui était joué contre équipe Martinique, qui était battu 4-1. États-Unis était battu Haïti 1-0. Équipe Salvador qui était battu Guatemala en question de 2-0. Jamaïque qui était battu 2-0 Suriname. Et équipe Costa Rica qui bat équipe Guadeloupe en question de 3-1. Qatar qui fait 3 buts pour tout face avec Panama et puis Honduras qui bat en question de 4-0 équipe au Grenada. Sur l'ensemble de match football, ça y a en question de 24 goals qui marquaient, vraiment 24 goals qui marquaient dans un affaire Gold Cup depuis que Gold Cup a démarré. Premier journée à 24 goals marqués, c'est vraiment important. C'est 24 goals qui marquaient, c'est pas yo mais ça fait yo fait un pile bagaille, même si il y a un match qui pas un goal, mais si tu apprends l'ensemble de match qui joue, yo ou capable. Gen goal qui marqué vraiment dans Gold Cup. Son seul joueur qui a marqué du goal, c'est Rolando Blackburn qui a joué dans l'équipe Panama, lui-même qui déjà a gagné deux goals. Après ça, tout l'autre monde a gagné un grand goal qui a marqué. Et pour ça, fait passe décisive, c'est Junior Elliott, lui-même qui s'est joué au Canada, qui a gagné deux passes décisives avec Edgar Bassenas qui s'est joué au Panama tout. Qui baille deux passes décisives, c'est vraiment important. Gain tout, Junior Elliott tout qui tout entré dans l'histoire, équipe Canada, qui vient un joueur qui marque plus de passes décisives dans l'équipe canadienne, avec en question de 14 passes décisives, monsieur qui est entré très fort dans l'équipe Canada, qui a entré avec l'histoire pour aller dans l'équipe canadienne. Eh bien,
Ekip e brenyen jounen yo kap kontinue a pati de jodi a, ap gen match pou deuxième jounen a kap komanse jodi a se nan poule A. Se Trinidad ki pal jwe kont Salvador, Trinidad ki pal de yon viktoa, gen Salvador tou ki pal de yon viktoa pou l'fe, e pou l'tou kalife. Yon viktoa de ekip Trinidad la, le sa, bagay la pral vreman plus komplike pou ekip Salvador an ki pal jwe kont ekwa, ki pal jwe kont ekip, e kont e denye match li fasa avek ekip Meksiken nan. E Meksik li menm kap jou kontre Guatemala a 9h, si a 7h30, 9h, puis 9h30, match football sa, ap komanse. De fwa ou konon du match ou a 7h, ou a 8h, e se les ap komanse. Takou match ye swal, te 8h, te 9h, se nan 9h, pratik se nan 10h match football sa te komanse, se te vreman tre dur. E pi Haiti, ki se nan 7h30, kap jou deman CV 7h30, fasa avek ekip kanadyen nan. Ekip Etasunyan, ka di a 9h30, kap jou kont ekip Martinique la, se kon sa sa apye, de match kap genyen jou diyo an nou kampe sou match Haiti et Canada. C'est sous match Haïti-Canada que moi-même qui m'étais voulu venir. Eh bien, match Haïti-Canada, après que nous t'ayons gagné un cas de COVID-19 qui est dans l'équipe là, là que nous t'ayons gagné près de 5 joueurs plus 3 dirigeants qui ont déjà testé positif dans l'équipe là, côté que nous t'ayons déjà bah ou que vous déjà connaissez Mounsao qui c'est Pierrot qui est un joueur qui est vraiment important dans l'équipe là, qui a été frappé par COVID-19 là, c'est vraiment lamentable, bah l'entraînement dur. Gain tout après Dixon Lesuisse, Isaac Wo, gain tout José Diverger, James Sangifoy, et puis trois dirigeants t'es Pierre Gachéri qui c'est directeur national, directeur sport, directeur technique national là. Gain Kiki tout lui-même Kiki, Monsieur c'est Karl Max Bernardin, Jean-Claude Josaphat qui c'est deuxième coach là, ça me dit coach adjoint, et trois moun ça, ok, ça fait 8 moun, et bien quatre autres moun qui t'a vint testé positif, qui vraiment vraiment fait nous mal en pile. Il y a que me t'ai parlé de Dickens Nason plus Roberto Badiolima, et bien vient de l'autre encore, vient fait de l'autre encore qui parle que Zachary Evro avec Brian Alcéus milieu de terrain. Ça veut dire que les que gagné après de deux moun qui sorti, près de 4 moun qui sorti nan an dispositif lan jwo ki kon komanse. Par exemple, Pierrot te gata pedi Pierrot ki kon komanse. Ou te deja pedi James Sefwa ki te kon komanse nan, ki te etutile nan ekip lan. Ou vin pedi Banal Seyu sa fe 3. Ou vin pedi Kensaf sa fe 4. Ou vin pedi 4 an titulaire. Sa, se vreman lamentab pou ke ou pedi 4 jwo si la. Sa ve di ke, lo vin pren 4 jwo plus 5 san te vin gen la, sa vin fon kes de 9 joueurs qui gagnent COVID-19, qui a testé positif catégoriquement, qui pas capable et non pas capable de compter sur eux. C'est vrai que y a 3 renforts ça y Palote que y a déjà gagné 3 renforts qui c'est Bikou Bisset qui sont en Haïti, Alain Jérôme qui sorti Haïti tout gagne tout joueur là en parlant de Meshack Jérôme qui dans l'équipe là, ça veut dire que gagne 3 dans 3 ça gagne ou capable parler du tout parler 3 absences, mais catégoriquement ou getan gagné 6 absences qui quand même ou gagné 6 absences là qui pas plotte que Dixon Lysius, Pierrot, Isaac Kaou, José Diverger, James Sangifoy, qui déjà là, qui ou capable de parler, Nason, c'est vraiment difficile, vraiment drôle pour la sélection nationale pays d'Haïti, bagaille que nous pas de souhaiter, eh bien, ça allait tellement drôle pour sélection. Eh bien, il y a un autre bagaille que nous avons l'autre tiré remarque pour me faire noter, ouais. Et gen Dickens Nason nou te wè ki jwè avèk Moïse Nason nan Doli, mèm si gen pil moun ki di se pa mou man sa pou mi se te fèl. Moïse Nason, mi se ki pote nou maman e nou papal, maman ke le Yvette Moïse, e bien, Monsieur, m pa konen si se koun ya li desi de fe sa ou so al te getan gen ide sa nan Gold Cup lan pou te fel nan Gold Cup lan. Li pote nan maman li ki se Yvette Moïse
wapwe ke li mette nan noni, nazon, ki mette Moïse nazon. Mwen men premier lè mte wè lè, mte kite so komon anekdot, mte pense ke se se alo an lo nerg de e prezident ki tombe an li te mette Moïse lan. Malouezman, se pa sa, se an alo nerg de maman li, ki se Yvette Moïse, ke li kon pote nan Moïse lan. Ki tou pa pase yon lounè pou l fè lounè ak maman, kon sa tou ki tou pase, an pil moun pa pose an pil kestyon sou sa tou, eske se pa lounè de prezident. Eh bien, mes ami, sa ki pou dwe lan, se de seleksyonar sou la lan mte vle, ki vle pale nou, nap djou rete konekte sou chanel lan, nap fè tout manik posib, kelke swa sa ki tombe anko pou nou konen, ki sa kouchan li mèm li pral fè, ki 11 ke li kapab demare nan devan ekip kanadyen nan. E, seleksyonasyon lan lan kounyan lan, a fe 11 lan, kounyan, kouch lan li pal gen, pou li tabay jwen, tankou jwen, tankou kek jwen nan ekip lan e, favor pou yo pase. Li kapab bay Damus chans li pou Damus tap paret tet li, paske la se riske ou asa ou ko gen yo, tabay Damus chans li, tabay Bikou Bisset chans li, bay tou de tro jen nan jwo ki nan ekip lan, ke pou yo kapab prouve yo ki yo kapab jwe. Sa ve di ke sou pe di yon milieu terrain ki milieu terrain ki yo pe di yon, kou la la li kapab jwe kategorikman avèk nan mitan defans lan, la kategorikman li ta dwe jwe avèk defans sentral, menm jan ki li te jwe avèk defans sentral, mta souwete ke li pa fè la Frans jwe kom defans sentral, li ta fè la Frans jwe kom milieu terrain. E li ta bay chans avèk lòt piti an, an palan de oswa li ta bay Bikou Bisset jwe milieu terrain li avèk Leverton Pierre nan milieu terrain kom nan dispozitif lan, e 3 avan yo, lè sa li ta bay jwe 3 ailye ofansif yo, 3 ailye ofansif yo, lò pa gen nazan, kou nan ou ta oblije la, fòk ou jwe avèk lòt piti an, ki se Ronaldo Damus, ou mete Ronaldo Damus avèk Ronaldo Damus ou avec Etienne, avec Etienne plus l'autre qui c'est Antoine Kanidji, là catégoriquement ou mettez yon ou a besoin on prête là catégoriquement pour ta mettre devant les sabagalan pral difficile pour qui est ce joueur ou ta confié prête attaque là tellement que bagalan lui-même n'est pas aussi facile prête attaque là les que ou ta joue avec trois joueurs ça yo si ou pral un bagage qui pral vraiment difficile mais pour défense là nous connaît que yon défense comme ça li pa aussi yon défense comme ça li pa aussi Lambez si ou va jouer avec Lambez ou gagner défense là ou pas ka jouer avec Lambez dans défense là ou jouer avec Ricardo Adé dans défense là plus avec plus Michaka Jérôme dans axe défense là Adou Atakus à Calens ou jouer Martin expérience li même quoi il gagne place li Jean qui me dit là ou jouer dans ou jouer dans milieu terrain j'aime nous avec deux ça yo deux joueurs yo qui parlent autant que ou jouer avec la France ou jouer la France avec Leverton Pierre Étienne avec ou prend Étienne avec Antoine ou prend tout l'autre joueur Ronaldo Damus qu'on a besoin joueur pour ta mettre en pointe ou soit fait à Kanadi joueur en pointe ou fait Lambez comme ou fait Lambez comme ailier Jean qu'il te fait Lambez ailier ça veut dire que en pile problème dans mes coachs là pour voir comment que lui-même est capable de gérer 11 ans devant l'équipe canadienne. N'attend pour nous connaître comment ça va aller pendant journée quelque chose ça tombe pendant journée n'a faut connaître de sélection nationale pays d'Haïti.